Ton prénom c'est quoi? Ok, je suis prêt. Avec le 1, la colle à la c'est chiant. Avec le 2, ta main fait intégralement partie de ton genou et ton genou fait intégralement partie de ta main. Et tout à l'heure avec le 3, quand tu vas te réveiller, tu pourras constater que ta main est complètement collée et qu'il est impossible de décoller. D'ailleurs, à chaque fois que tu essaieras de décoller ta main, ça sera comme si elle était collée 2 fois plus fortement, 10 fois plus fortement à ton genou. Et avec le 3, tu peux revenir ici et maintenant essayer de décoller ta main. Et plus tu essaies de décoller ta main, plus ta main est collée. Plus en plus, impossible de la décoller. Plus tu essaies de la décoller, plus elle est collée fortement. 10 fois plus. À chaque fois que tu essaies de la décoller, il y a une force inverse qui vient 10 fois plus la couler. Tout simplement, pour décoller cette main sans genou, il faut que je me touche, oui. Quand je me touche, je regarde. Automatiquement, ta main va se décoller. Regarde. Parfait, c'est moi tout seul. Ça va? Est-ce que tu peux continuer un petit peu? Ouais. Hein? Ah, il y a 1000 personnes qui regardent. Ça a l'air sur YouTube. Détends et relâche. Lève-toi. Et de plus en plus, tu vas sentir cet état de relaxation. Tu vas remonter dans cet état de relaxation. C'est comme ça que tu t'appelles Natacha. Et tout simplement, chaque fois qu'on te demandera quel est ton prénom, naturellement, tu répondras Natacha. Car c'est comme ça qu'on t'a toujours appelé, c'est comme ça que tes amis t'appellent, c'est comme ça que tes parents ont décidé de t'appeler le jour de ta naissance. Et ceci, c'est ce qui est écrit sur tes papiers d'identité, tu t'appelles Natacha. Tout naturellement, chaque fois qu'on te demandera comment tu t'appelles, tu répondras Natacha. Parce que c'est comme ça que tu t'appelles, tout simplement. Et je vais compter jusqu'à 3. Et tout simplement, arrivé à 3, chaque fois que quelqu'un te demandera ton prénom, tu pourras répondre Natacha. 1, 2 et 3. Ok. Ça va? Oui. Tu te sens bien? Oui. T'as vu mon prénom, il est marqué là, c'est frais. Et toi, je t'appelle? Ok. Est-ce que tu pourrais écrire Natacha? Comment ça s'écrit? N-A-D-A-C-H-A. Ok. Est-ce que tu as un papier d'identité sur toi? Non. Ok. C'est ta maman qui l'a? Ok. Comment qu'elle s'appelle? Lou. Comment tu t'appelles? Natacha. C'est n'importe quoi, maman. N'importe quoi. C'est une blague, elle te fait peut-être. Demandez-lui si c'est une blague. Comment elle s'appelle? C'est quoi ton prénom? Natacha. C'est pas grave, c'est pas grave. Regarde-moi, j'ai une main magique, elle va venir te prendre ton prénom. Et quand, tant que ma main sera fermée, ton prénom sera enfermé à l'intérieur, et dans quelques instants, tu ne te rappelleras plus quel est ton prénom. Juste, c'est amusant. Ok, mais ton prénom est dans ta main, dans ma main. Ok, et toi, impossible de te rendre ton prénom. Tu t'appelles impossible. Et tant qu'il sera dans ma main, tu ne te rappelleras pas ton prénom. Tout simplement, peut-être que tu pourrais regarder, t'appeler Léonti. Tu t'appelles exactement, tu t'appelles Léonti. C'est comme ça que tu peux toujours appeler Léonti. D'ailleurs, tu peux lui appeler. Exactement. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que je vais prendre ta main ici, et je vais peindre ton vrai prénom à l'intérieur de ta main. Et tout à l'heure, lorsque tu vas réouvrir ta main, ton prénom te reviendra naturellement. Et là, ton vrai prénom te revient complètement. Tu t'appelles. Tu te rappelles de tout ce qui s'est passé de Natacha, tu te rappelles de Léonce, tu te rappelles de tout. C'était amusant, quoi. C'était bizarre. C'était amusant, surtout. Oui. Ok. Est-ce que tu veux continuer un peu? Et tout simplement, quand je vais compter jusqu'à 3, eh bien tu parleras naturellement le martien, parce que c'est comme ça que tu as toujours parlé, le martien. Voilà. Tout ce que l'on te dira, tu le comprendras, et tout ce que tu me répondras, tu le comprendras aussi, ça sera complètement normal et naturel. Ce sera juste du martien, tout simplement du martien. Et à 3, quand je vais te réveiller, tu pourras revenir ici maintenant, parler tout naturellement le martien, parce que c'est la langue officielle que l'on parle avec le monde. Ok. À 3, tu vas pouvoir te réveiller. 1, 2, et tu parleras complètement normalement le martien. 3.
Ok. Tu as passé une bonne journée ? Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ? Ok. Qu'est-ce que tu penses faire demain ? Ah, ok. Mais tu penses bien dormir ce soir ou pas ? Plus en plus. Et regarde, ce qui va être plus facile pour toi, c'est que ce martien se transforme en que des syllabes qui sortent de ta bouche. Ce sera beaucoup plus facile, beaucoup moins de concentration. Tu comprends tout ce que tu dis. Tu comprends tout ce que tu dis. Les seules syllabes qui sortent de ta bouche, c'est uniquement une bouche. Complètement. Tu vas bien ? Oui. Ok. Tu sais quelle heure il est là ? Ok. Peut-être que ce serait bien de l'heure d'aller se coucher. Mais tu penses bien dormir ce soir ? Oui. Ok, c'est super. Et là, regarde, tout te regarde normalement et tu reprends normalement. Ok, ça va ? Faut que je vois pour le croire, je ne crois pas. Complètement relâché, complètement détendu. Dès que je vais l'utiliser sur toi, c'est pas la peine de foncer sur toi. Tout se passe calme. Tu vas partir, juste partir dans cette état de relaxation. Complètement relâché, complètement détendu. Complètement relâché, complètement détendu. Et tu te laisses aller complètement. Plus je prends les doigts, plus tu pars dans cet état de relaxation. De plus en plus, complètement. Et complètement relâché. Ok, ta tête se relâche aussi encore. Et si tu as envie de rêver, tu peux rêver, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça me fait penser que, à partir de maintenant, ici, je vais passer un bouton qui va te faire rire. D'ailleurs, à chaque fois que j'appuie ici, là, tu peux déjà commencer à rigoler de plus en plus, complètement, encore. Et à chaque fois que je vais lâcher, tout va redevenir normal. À chaque fois que j'appuie sur ce bouton, instantanément, tu vas rigoler de plus en plus. Ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois que je vais lâcher, tout va redevenir normal. Sur votre épaule, je vais placer un interrupteur un petit peu différent. C'est-à-dire que tu vas te sentir triste. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas sentir une tristesse de plus en plus. Une tristesse. Et à chaque fois que je vais relâcher, tout redeviendra normal. À chaque fois que je vais appuyer ici, une tristesse, une énorme tristesse, sans que tu saches pourquoi. Okay. Tout est normal à chaque fois que je relâche. Et de l'autre côté, un rire, un énorme rire, complètement, tout simplement. Et pour quelques instants, tu auras ces deux boutons sur les épaules. Et quand je vais compter jusqu'à 3, à chaque fois qu'on appuiera ici, tu vas rire. Voilà, à chaque fois qu'on relâche, tout redeviendra normal. Et à chaque fois qu'on appuiera ici, une énorme tristesse, complètement. Voilà, c'est ça, de plus en plus qui va monter sans que tu saches pourquoi. Mais elle sera là. Et quand je relâcherai, tout redeviendra normal. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu pourras réouvrir les yeux pour venir ici et maintenant. 2 et 3. Ça va ? Ok. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe si j'appuie là ? Ok, c'est normal. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe si j'appuie là ? Ok. Si j'appuie. C'est super. Ce qui est marrant, c'est dis-moi, qu'est-ce qui se passe si j'appuie là ? Oh non. Ça disparaît. Ok. Et ce qui est amusant, c'est que d'un côté, on a le rire, tu vois, je me rapproche pas, on a le rire de plus en plus. Ok, tu sais ce que c'est que le rire, c'est super. De l'autre côté, on a la tristesse, c'est terrible, on a de plus en plus. Oui, c'est ça. Mais ça fait du bien une fois de lâcher un petit peu. Regarde, quand j'arrête, ça s'arrête. Mais la sensation qui est très très bizarre, mais c'est là où on voit qu'elle ment pas, parce que viens voir si tu veux. Ah non, je veux dire. Regarde, il y a des larmes qui coulent, c'est terrible. Regarde. Et ce qui est terrible, c'est que ce qui est amusant et terrible, c'est d'appuyer à la fois sur le bouton du rire et à la fois sur une sensation que tu n'as jamais connue encore. Qu'est-ce qui se passe si on appuie sur le deux à la fois ? Parce que ça, tu connais. Ok, ça, tu connais. D'accord. Mais ça, qu'est-ce qui se passe là ? Ok. Ça va ? Et j'arrête ? C'est marrant ? C'est bizarre. Tu veux profiter un petit peu de cette sensation encore ? Ok. Regarde, quand j'arrête, tout devient normal. Salut ? Ça va ? Ok, tu vas bien ? Ok. Ça fait quoi de ressentir ces deux sensations ? C'est énorme. C'est juste magique. Complètement relâché. Complètement détendu, de plus en plus relâché. Et de plus en plus détendu. Plus je claque des doigts, plus je sens partir dans cet état de relaxation. Complètement relâché. Parfaitement détendu. Tout simplement, quand tu vas te réveiller, eh bien, tu auras l'obligation de vouloir dire la vérité. Tu seras obligé de dire la vérité. Obligatoirement, tu diras la vérité. Et en même temps, tu te sentiras forcé de dire des mensonges. Complètement des mensonges. C'est comme si, à chaque fois que tu voulais dire quelque chose, eh bien, il y avait deux petites personnes dans ta tête qui te disaient une, dis la vérité, et l'autre qui te dit, dis un mensonge. Et tu ne sauras plus quoi choisir entre la vérité ou le mensonge. Et c'est toi qui vas trancher, tu vas voir. Tu vas te réveiller et tu auras à la fois envie de dire la vérité et à la fois envie de dire un mensonge. Complètement. Et ces deux émotions-là vont
vont se passer dans sa tête, on voit ce que ça va donner avec toi. Et avec toi, tu vas pouvoir te réveiller. Tu auras à la fois envie de dire la vérité et à la fois envie de dire le mensonge. À chaque fois qu'on te posera une question, qu'on s'adressera à toi. Et à trois, tu vas pouvoir te réveiller. 1, 2, et 3. Ça va? Oui. C'est vrai? Et comment tu t'appelles? Ça disparaît complètement, ça devient pas mal. Ça va? Oui. Bien sûr, même nous, on n'a pas compris la suite. Là, t'es pas plaisir. Tu peux le caresser? Oui, mais tout va bien. Complètement, carrément. Mais t'as vu, c'est un peu mouillé tout. Ouais. J'aimerais bien regarder avec toi un petit peu plus longtemps. C'est super. Ouais, tu peux le prendre dans tes bras, lui faire un petit câlin. Regardez, plus il s'approche de toi, puis tu le sens ronronner. C'est très très agréable de sentir ronronner un petit chat. Complètement, de plus en plus. Regarde ça, on dirait qu'il te fait un sourire, qu'il t'a fait le maman. Plus tu le caresses, plus il meurt, et plus t'as l'impression. Ça va voir, c'est super adorable, c'est super mignon. Oh oui. Change de couleur, en plus, c'est incroyable. Et là, c'est un chat magique, oui, il devient. Oui, c'est le chat magique, il est tout gueulé. C'est une chat bizarre, ouais. Mais il est tout mignon, parce que c'est super original. T'es la seule, je pense, de tout élément d'avoir un chat violet. Ok, et ce poil il est tout gelé. Oh, regarde, plus tu le caresses, et plus ce poil devient long. Long, long, long. Comment ça? C'est incroyable. Et plus il devient long, et plus ce chat se transforme en petit dragon. Tu sais, le petit dragon de Mulan. C'est le petit dragon tout mignon, tout mignon, tout plein de Mulan. Il s'est transformé en fait. C'est un petit chat magique qui est en fait un petit dragon. Tu l'entends, tu parles? Il te dit quoi? Et alors, qu'est-ce que tu peux lui répondre? Parce que tu sais qu'en fait, il est censé représenter ta conscience, ce petit dragon. Ok? Il est toujours là. Et là, qu'est-ce qu'il te dit? Ça va. Ok, donc ça va. Tu te sens bien. Et maintenant, si on demande à ce petit dragon, comment est-ce que tu trouves cette expérience? Il répond quoi? Ok, c'est génial. Okay. Est-ce que ce petit dragon il pourrait se transformer en petit toi, juste là maintenant? Ouais. Ok. Est-ce que toi, tu pourrais peut-être faire des chatouilles à ce petit... Ok, tu vois, c'est toi en miniature dans ta main. Ok, regarde. Je vais chatouiller sur les bras et regarde ce qui se passe là. C'est ça, regarde. Et maintenant, je vais sous les pieds là-dessous. Là. Complètement, de plus en plus, je repars sur les bras là. Ok. Alors, regarde, je te repleurais de rire tellement j'ai chatouillé. Il est là, complètement, complètement. C'est génial, et j'arrête. Ok. Et ce mini-moi, tu vas pouvoir le garder avec toi, complètement, ici. Voilà, juste pour toi. Regarde-moi. Tu vois, ça devient normal. Moi, pour l'instant, il est parti, il est de l'autre côté. Voilà. Non. Et qu'est-ce que vous parlez? Ce massage, il aura été sur tout ton corps, sur tes épaules, sur ton dos, sur tes jambes, sur tes hanches, sur tes jambes, ton mollet, tes pieds, tes bras, sur ton bras, sur ta nuque, sur ta tête, sur tout le corps. Et tu vas te sentir du coup merveilleusement bien, merveilleusement détendu, en pleine forme puisque tu viens de faire une sieste, et complètement détendu puisque tu viens de faire ce magnifique massage. Excellent massage sur tout le corps, le meilleur massage que tu aies jamais eu. Et tout simplement, au niveau de ton état d'esprit, je voudrais que tu imagines et que tu repenses à ton dernier fou rire. Et ce fou rire commence à remonter maintenant, encore, de plus en plus. Plus ça va, plus tu rigoles, encore et encore, de plus en plus. Et bien ton état d'esprit sera celui-là, cette envie de rigoler jusqu'au moment du coucher, jusqu'au moment de t'endormir. Tu vas te sentir non seulement en pleine forme,
complètement détendu, mais avec ce sourire qui va être là tout le temps, jusqu'au moment ce soir de t'endormir. Et jusqu'au moment de t'endormir, la patate, une énorme patate, une superbe détente. Et en même temps, cette envie de sourire à tout le monde, tout le temps, et en permanence, jusqu'au moment de te coucher ce soir. Et juste au moment de t'endormir ce soir, tu pourras t'endormir complètement naturellement. Et si demain tu avais prévu de te réveiller, tu pourras te lever complètement normalement à l'heure que tu avais prévu. Et faire la journée, et passer la journée que tu avais prévu de passer. Voilà. Mais en attendant, de maintenant jusqu'au moment de t'endormir, une énorme détente, une superbe forme, et ce sourire que tu vas avoir, comme ça encore, ce sourire encore plus. Encore, c'est fou, c'est fou. Je vais compter jusqu'à 3, tu pourras te réveiller avec cet état. 1, 2, et 3, réveille-toi. Ok. Ça va? Oui. Comment tu te sens là? Bien. Ok. Si jamais on venait te voir en te disant, moi aussi je voudrais me faire hypnotiser, est-ce que tu le conseillerais? Oui. Ok. Je te remercie. Oui. Voilà. Merci. Ok, pas de soucis. Passez une bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup. Mais je voyais ça différemment. Ouais, non, voilà. Non.